France Développement 7 à la sélection de Nouvelle-Zélande. On va vous donner la composition des deux équipes avant le protocole d'avant-match, avant les hymnes, la présentation officielle. En commençant par nos hôtes, hein, l'équipe de Nouvelle-Zélande, le joueur numéro 1, Trael Joyce. Le 2, Teddy Stanaway. Le 3, Chad Brassé. Le 4, Roa Dalton. Le 5, Danyon Morgan. Le 6, Kepa Wiki. Le 7, Connor McLeod. Le 8, Karetai Williams. Le 9, Teine Thoma, qu'on a vu dans ses œuvres ce matin en demi-finale. Le 10, Rewita Bridle. Le 11, Willy Tonga, dont on a également pu admirer le talent ce matin. Le 12, Kyle Tumlow. Le 13, Ashton Robinson. Le 14, Adam McCarvey. Et le 15, Penetana Carter. Alors, je lui ai posé la question, aucun lien de parenté avec Dan. Hein. Non, je ne pense pas. Il me l'a confié lui-même personnellement de façon tout à fait confidentielle. C'est pour ça que je vous invite à ne pas répéter cette information. Du coup, on va enchaîner avec la composition de France à 7 développement, avec le numéro 1, Tixé Mathieu, le numéro 2, Boudé Ampol, le numéro 3, Holder Brendan, le numéro 4, Lucas Pierre, le numéro 5, Joubert Romain, le numéro 13, Lagarde Alexandre, le numéro 7, Écardi Jérémy, le numéro 8, Grelier Étienne, le numéro 9, Calandré Aurélien, le numéro 10, Kerr Robinson, le numéro 11, Daoudou Josia et le numéro 12, Eke Thomas. On a évidemment une pensée toute particulière pour Howard Hinton, qui nous a quitté en 1996, disparu beaucoup trop tôt. Et depuis, ses copains lui rendent hommage tous les ans à travers l'organisation de ce tournoi, alors que les joueurs néo-zélandais passent devant nous pour rejoindre le couloir des joueurs. Sous les acclamations du public, une pensée également pour la famille de Ward, hein, qui suit ce tournoi tous les ans. J'en profite pour passer le bonjour à la sœur de Ward, Kelly, qui m'avait fait l'honneur d'une interview il y a quelques années de cela. Donc Kelly, je sais que tu nous écoutes, je sais que tu nous regardes, donc on pense à toi et on t'embrasse très très fort du fond du cœur. Sache que l'esprit de Ward est toujours omniprésent ici, tout au long des trois jours que dure ce tournoi désormais. Le protocole de présentation des joueurs se met en place pour le point d'orgue de ce week-end. La grande finale du challenge élite, le challenge Howard Hinton. La 22e édition du tournoi. Et quel meilleur hommage pour Howard que de voir une équipe de Nouvelle-Zélande en finale, ouais, comme l'année dernière. Ouais, comme l'année dernière, ils tiennent leur rang. On le sait, hein, ça leur tient à cœur, hein, tous les ans. Et ils veulent faire un bon résultat ici en mémoire de Howard Hinton. Et cette année, c'est encore réussi. Et pendant ce temps, l'organisation du tournoi qui rend hommage au corps arbitral, sans qui évidemment ces matchs ne pourraient pas avoir lieu. Le tournoi Howard Hinton sur 3 jours avec toutes les équipes engagées, c'est plus de 200 matchs. Plus de 200 matchs sur le week-end et sur 1, 2, 3, 4, 5 terrains au total. Sur 5 terrains au total, hein, le terrain d'honneur sur lequel nous sommes aujourd'hui, sur lequel nous étions vendredi, plus les 4 terrains annexes qui sont... sur le côté. Et voici l'entrée des joueurs néo-zélandais sous les acclamations du public. Toujours impressionnant, hein, ces joueurs néo-zélandais. Ouais, des joueurs qui répondent tous les ans présents, hein, à l'image du capitaine qui était là l'année dernière et qui avait envie de faire le même parcours cette année, voire mieux, hein, puisqu'on le rappelle, l'année dernière ils ont perdu en finale. Cette année ils veulent vraiment soulever le trophée et gagner le championnat. Allez, là on va entendre l'ambiance pour accueillir l'équipe France 7 Développement. Allez, les joueurs qui du coup vont rentrer sur la pelouse et vont aller se positionner du côté droit des arbitres, hein, et on aura le droit derrière aux hymnes nationaux avec le capitaine Alexandre Lagarde, le numéro 13, qui va tenter de mener ses troupes à la victoire finale.
France face à des Néo-Zélandais forcément revanchards. Ouais, et France Développement avec une grosse ceinture de l'équipe de France nationale avec Ecardi Jérémy ou encore Lagarde Alexandre. Et on a vu quelques apparitions aussi d'Aoudou Josia en équipe de France. Donc un vrai niveau. Hein. Et donc, une minute de silence. Avant les hymnes, voilà, on va accorder en une minute de silence à Wardington. Un silence profond, beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour Howard, les copains, le public, les joueurs. Et du coup, on va commencer avec l'hymne néo-zélandais. Magnifique, hein, cette hymne. Ouais, un très bel hymne. Et maintenant, en honneur de France Développement, la Marseillaise. Allez, c'est parti pour cette grande finale. Le Challenge Elite, le Wardington 2018, la 22e édition. Les arbitres qui se serrent la main, les joueurs qui se regroupent, qui se motivent, qui se concentrent. Ça va être... une belle confrontation. Alors que la pluie hein, vient de faire son apparition sur le terrain et elle va rendre le ballon un petit peu glissant. Ouais. Ça sera un petit peu plus dur, mais bon, ça ne posera pas de soucis aux deux équipes présentes sur le terrain. Et on est sûr que ça va envoyer dur. Et un premier engagement, ballon pour les Néo-Zélandais. On voit qu'il devrait être court hein, et très haut pour pouvoir... Allez, pouvoir c'est parti jouer. Un ballon très haut avec une première faute de main commise par les Français. Le ballon sera rendu sur cette mêlée pour les Néo-Zélandais. Devant. Ils avaient le choix entre la mêlée et la touche. Ils ont choisi de repartir sur une mêlée. Première possession du coup pour la Nouvelle-Zélande. Ah, j'ai envie de dire allez les Bleus quand même. On va pas se cacher, on est quand même un petit peu chauvin. Ah oui. Hein. Allez, une première tentative là. Ça repique au centre. Oh, bien pris là, le joueur immédiatement.
par le numéro 3. Ah, dommage, on est venu jouer le ballon avec le pied en tapant dedans. Du coup, pénalité pour les All Blacks. Mais on l'a vu hein, sur ces premières phases de jeu, énormément d'agressivité hein, du côté français. On est venu mettre beaucoup de pression dans le ruck. Ouais. Pour pouvoir récupérer le ballon, voilà. Et là, ouais, le capitaine, là, Willy Tonga, qui est chassé par les défenseurs français. Allez, il est à la relance, Tonga, qui peut transmettre là-bas sur l'aile. Allez, c'était Istanawa qui est mis au sol. Alors, on est ça repart. De la part des Français, malheureusement, il y a un petit peu d'espace sur les extérieurs. Ouais. On vient combler le 2 contre 1. Le ballon qui est mis à l'aile, ça repique au centre, ça se l'homme encore. Allez, sur il y a des personnes disponibles, il y a un surnom, ça va aller au bout. Rencontre. Et voilà, premier essai pour la Nouvelle-Zélande, 5 à 0. Trail Joyce ouais, qui marque ce premier essai. Et on voit un premier offensive black, premier essai. Beaucoup d'autorité dans cette offensive. Ouais. Pourtant, on a vu, hein, les Français mettent énormément de pression en défense, mais ça n'a pas suffi. On a failli gratter le ballon sur un des premiers temps de jeu, mais malheureusement, on n'y a pas réussi. Derrière, là, les Blacks qui mettent leur jeu en place et qui vont marquer ce premier essai. Allez, une tentative de transformation pas évidente pour le gaucher, Taïné Thomas. Le ballon qui part bien et ça ne passe pas. On en reste à 5-0 pour la Nouvelle-Zélande. Pour cette équipe de France de faire une bonne réception de ballon et de tout de suite enchaîner sur les temps de jeu. Il faut reprendre confiance, reprendre la possession du ballon, faire courir ses All Blacks, ne pas les laisser attaquer. Hein, ça serait dommage de défendre toute la partie. Allez, c'est important. Encore un coup de pied très bien dosé là. Voilà, ah, belle prise de balle. Ouais. Superbe. Allez, les Français là qui développent leur jeu. Il y a une prise d'intervalle intéressante là. Allez, le plus important, c'est de conserver le ballon. Voilà, c'est fait. On va pouvoir déplacer le ballon maintenant sur les extérieurs. Ouais, la croisée, pas mal. Dommage. Petite faute de main. Dommage hein, sur cette première offensive. Hein. On l'a vu, une première largeur de prise. On a été affronter la défense. On arrive à bien conserver. Malheureusement, sur le retour, on fait une petite faute de main en venant attaquer le milieu du terrain. C'est pas grave, on se remet dedans. Et ça offre un nouveau ballon aux Néo-Zélandais, une nouvelle possession. Ouais, on est toujours dans le camp de l'équipe de France développement. Allez, une sortie très rapide là. Allez, le 9 là. Taïné Thomas qui tente une percée, ça revient au centre. Allez, il y a encore un surnombre sur les extérieurs, ça va aller au bout. Place. Encore une fois, le deuxième essai néo-zélandais. Voilà qui est fait. C'est le 15. Penetana Carter qui inscrit cet essai. Énorme travail hein, du relayeur sur la mêlée qui part petit côté. Accroché intérieur, on élimine un joueur. Tout de suite, on reprend accroché extérieur, on élimine un deuxième joueur. On se fait reprendre face après contact. Ils ont fait quoi, 4 passes, 5 passes? Ouais, 4 ou 5 passes, mais vraiment un exploit individuel sur le début de l'action qui permet à son équipe de totalement être dans l'avancée et avoir d'énormes espaces à jouer sur les extérieurs. Et on était sur un 3 voire un 4 contre 1 sur les extérieurs, donc c'est fini assez facilement par les All Blacks. Allez, nouvelle tentative pour Thomas, quasiment au même endroit que tout à l'heure. Cette fois, il a ajusté la mire, ça passe. 12 pour la Nouvelle-Zélande, 0 pour France Développement. Allez, c'est pas grave, hein. c'est encore long, il reste du temps de jeu. Oui, ça ne fait que commencer. Assuré là, par contre, cette réception va être importante. Voilà, on voit que les Français sont prêts pour capter cette balle. Paris pour le lift. Non. Allez, c'est volé vers l'arrière, c'est pas mal ça. Allez, peut-être une possibilité. En jouant sur la vitesse. Oh oui, magnifique le slalom du numéro 4 là, qui repique intérieur. Voilà, le soutien qui arrive derrière. Conserver le ballon et faire rebondir le jeu. Dommage, on prend un petit peu de temps. Du coup, on a enlevé un petit peu la vitesse. Coup de pied à suivre de Jérémy Ecardi, ça va jouer à la course. Ouais, et le Néo-Zélandais hein, qui est premier sur le ballon.
On repartira du coup hein, sur un renvoi en 22. Attention, ça peut être joué vite. Ouais, ils vont prendre leur temps. On va faire un petit peu tourner hein, du côté de la Nouvelle-Zélande. Et dommage, hein, on voit une bonne première possession de l'équipe de France. Malheureusement, on a rendu à mon goût le ballon un petit peu trop vite. Hein. Avec ce jeu au pied de la part de Jérémy Icardi, on aurait pu le déplacer encore un peu et essayer de déstabiliser la défense. C'est pas le cas. Allez, c'est là, pas grave. Belle prise de balle du Français. Allez, ça profite là. Il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Ouais, ça, c'est intéressant. Ah oui, le numéro 3 là qui dommage. Fait parler sa puissance, malheureusement. Il rend la balle All Black. Ouais, et attention, ça et une percée. À la course. À nouveau là, il va être repris le joueur. C'est, le numéro 2, c'est Teddy Stanaway. Bien repris par le défenseur de France Développement. Et il y a une pénalité sifflée contre la France qui joue très rapidement. Et l'essai qui est accordé. Essai en coin marqué par le All Black. C'est le troisième essai depuis dommage, le début de la partie. On a vu Thomas qui a fait un énorme travail hein, de défense de repli. On l'a vu revenir sur le joueur néo-zélandais. Malheureusement derrière, hein, une petite faute aux yeux de l'arbitre. Hein, pas sûr qu'elle y soit, mais il considérait que le ruck était créé, que du coup le joueur français devait venir dans l'axe et non pas sur le côté. C'est comme ça, c'est pas grave. Et on voit le capitaine Alexandre Lagarde hein, qui vient porter de l'eau à ses coéquipiers. Ouais, le temps de la transformation. Qui devrait être sifflé juste derrière la transformation. Complètement manqué là par Thomas. On va pas s'en plaindre. 17 à 0. Ouais, c'est la mi-temps. Hein. On a vu pour l'instant une équipe de Nouvelle-Zélande pragmatique et archi-réaliste hein, qui... sur ses premiers temps de jeu et sur ses premières possessions ont tout de suite marqué. Derrière, on se sert des erreurs de l'équipe de France. Développement pour aller inscrire ce dernier essai. Et ça fait 17-0 hein, à la mi-temps. C'est un peu dur pour l'équipe de France Développement. Ouais, ça doit être très frustrant pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup porté le ballon. Et ils ont également commis quelques maladresses qu'ils ont payé cash. Et on sait que face aux équipes de l'hémisphère sud en général, a fortiori les Néo-Zélandais, il ne faut pas commettre d'erreur. Pour déjà espérer ne pas perdre, et pour gagner, il faut encore élever son niveau de jeu. Donc on compte sur eux en deuxième mi-temps. Ça va être important pour les Français de gommer ces petites erreurs. Et on l'a vu hein, sur un match de Claude Bergeart entre l'Asmala et... Et Béziers. Les 7-4, si je ne me trompe pas. L'Asmala qui était. Les 7-4 qui étaient largement menés à la mi-temps et qui ont réussi à revenir en deuxième mi-temps. Hein. Du coup, rien n'est perdu pour cette équipe de France et tout est encore jouable. Allez, les Français qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Allez, messieurs, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Ouais, le coup d'envoi qui va être donné par Jérémy Icardi. Donc, normalement, on devrait être sur un coup d'envoi assez court et très haut hein, pour permettre à un des joueurs de l'équipe de France d'aller au duel à la réception du ballon. Allez, c'est parti. Il y aura quelqu'un. Très court dans l'axe, ouais. Et bonne réception hein, de la part. Et c'est bien pris hein, par Rewita Bridle. Allez, les Néo-Zélandais qui écartent le ballon pour le capitaine Willy Tonga qui casse le plaquage, qui emmène deux défenseurs avec lui. Le ballon est libéré rapidement, ça part le grand côté, le coup de pied à suivre. On lâche un peu le ballon là aussi du côté des Néo-Zélandais. Oh, c'est dommage, on aurait dû se coucher sur le ballon plus au lieu de le jouer au pied. C'est un ballon rendu un peu bêtement là aux Néo-Zélandais. Oui, et puis vers l'arrière en plus, donc histoire de leur faire gagner encore un petit peu plus de terrain. Du coup, c'est un lancer en touche pour les Néo-Zélandais dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors regarde, ils arrivent tranquillement. Et paf, voilà, très bien joué, ça va vite, on monte vite le bloc. Allez, Daniel Morgan qui a le ballon, qui libère là pour ses coéquipiers. On n'a pas été efficace hein, sur le contre-rug français. Voilà, la passe volée magnifique pour Willy Tonga sur l'aile. Ouais, énorme cul hein, de la part du capitaine néo-zélandais. Ouais, un en avant
Ouais, ça c'est bien pour l'équipe de France Développement, une bonne séquence défensive, ça va leur permettre de récupérer le ballon et d'enchaîner avec une possession. Et premier remplacement français, hein, c'est Jérémy Ecardi qui sort, il est remplacé par Alexandre Lagarde. Et il y a aussi un remplacement, hein, le numéro 10, c'est Robinson Kerr qui rentre. Et qui remplace. Ah, je ne pourrais pas vous dire, je ne vois pas le numéro, désolé. Allez, mêlée à suivre en faveur de l'équipe de France. Allez, introduction pour Alex Lagarde. Oh là, grosse poussée néo-zélandaise qui récupère la balle. Thomas qui a le ballon, qui fait un crochet extérieur et qui vient marquer entre les poteaux. Imparable. Elle est terrible cette action. Les Néo-Zélandais, non ? Ça commence à faire beaucoup, hein, 17, ça va faire 22-0. Dur pour cette équipe de France Développement. Ouais, ça va faire 24 hein, là. Ouais, une transformation assez facile. Et puis en plus, il a un énorme jeu au pied, hein, ce numéro 9. Et on l'a vu là, un énorme crochet intérieur. Une grosse poussée des Néo-Zélandais sur la mêlée précédente qui récupère le ballon à l'introduction. Et derrière, on écarte le ballon. Le libéro qui revient à l'intérieur et personne pour défendre. Il peut aller entre les poteaux. Faudrait pas que ça tourne à la démonstration quand même. Ouais, j'ai l'impression, hein, cette équipe de France Développement là un petit peu abattue. On les voit se gratter la tête, les mains sur les hanches. On doit se poser pas mal de questions. Hein. Et les All Blacks qui vont pas se priver d'aller engranger un maximum de points s'ils le peuvent. Parce que eux, aller derrière la ligne, c'est leur grand kiff. Hein. Allez, la remise en jeu. Ça s'est tué. Très bien beauté. Il y a un en avant avantage pour France Développement, avantage en cours. Allez, la balle pour Alex Lagarde. Ouais, qui pivote bien là, qui essaye d'éliminer un défenseur. Il n'y a pas d'en avant. Ouais, ça c'est bien fait. Allez, ça s'ouvre. Maintenant, il va falloir garder la vitesse, réussir à jouer debout. Allez, il voilà, y a du renfort à l'intérieur. Ouais, bien pris là par Reuta Bedol. La balle, c'est derrière, ça peut continuer à jouer. Allez, il faut rebondir, aller sur l'extérieur maintenant. Ah, et intervention de l'arbitre de touche. Le temps va être arrêté. On va voir ce qui s'est passé. C'est bien là, une bonne position hein, des Français qui ont réussi à mettre de l'avancée, à venir jouer sur le petit côté, à trouver un surnom. Et les deux arbitres, hein, l'arbitre de touche et l'arbitre principal qui discutent. Ah, un carton jaune pour un joueur néo-zélandais. Carton voilà, jaune hein, pour le numéro 1 néo-zélandais. Trail Joyce, donc qui est sanctionné. Et qui a fait un énorme tournoi. Hein. Il a été présent de vendredi à dimanche. Il fait toujours titulaire hein, sur les rencontres et il fait un tournoi vraiment énorme. Allez, ça donne l'opportunité à la France de revenir au score un petit peu là dans cette partie avec la supériorité numérique. Allez, par contre, c'est sur cette action qu'il faut marquer. Ah oui, là, faut pas perdre de temps et le joueur qui est propulsé en touche. C'est dommage, hein, on se retrouve sur une situation de surnombre et au lieu de prendre son temps et de créer plusieurs temps de jeu, on essaie de franchir dès le premier. Sauf que dès le premier, bah, la défense néo-zélandaise, elle n'est pas déstabilisée. Du coup, elle arrive à nous mettre en touche et il récupère le ballon. Alors qu'il y a un changement côté néo-zélandais, c'est le numéro 3, Chad Brassé, qui remplace son capitaine Willy Tonga. Allez, un beau ballon là pour les Français. Oui, ça va laisser. Voilà, enfin, premier essai pour cette équipe de France Développement. Essai de Thomas Eke, le numéro 12. Allez, c'est transformé. Ici par Alexandre Lagarde. Allez, hein, c'est peut-être parti. Allez, transformé rapidement, il n'y a pas de temps à perdre. Parce que voilà, on le voit, Alexandre Lagarde hein, qui veut aller vite. Allez, là, chaque seconde est précieuse. Et les Néo-Zélandais qui jouent. Oh là là, magnifique, hein, le numéro de funambule là de Reuta Bedol. Allez, ça a l'air de s'enflammer un peu là sur le pré, c'est bon. Ouais, tant mieux pour le spectacle. Alors ça peut aussi faire peur parce que si les Néo-Zélandais décident eux aussi d'accélérer, ça peut faire très mal. Allez, Bridle encore dans ses œuvres. Voilà, ça transmet. Les Néo-Zélandais qui ne paniquent pas.
On a vu hein, Alex Lagarde qui est monté très haut pour couper les extérieurs. Ouais, bon grattage hein, de Paul. Allez, Léon. Le turnover favorable à l'équipe de France. Oui, le 12 qui s'arrache. Superbe. Allez. Et c'est transformé dans la foulée. Hein. Et transformation rapide hein, de Alexandre Lagarde. Et ça fait 14 à 24. Hein, 10 points d'écart. Allez, plus que 10 points. Pourquoi pas. Allez, on met encore deux essais. On les transforme et c'est bon. Faudrait y aller tout de suite. Hein. Allez, change de. Ouf. Ouais, avantage. Là, il devrait y avoir carton. C'est normal. Voilà. Eh oui. Allez, dommage. Hein. On peut pas dire qu'il a joué le ballon. Il a plongé dans les pieds du joueur qui était en l'air. C'est difficilement contestable. Allez, maintenant, c'est les Néo-Zélandais qui sont en supériorité numérique. Alors eux, en revanche, ils prennent leur temps pour taper le coup de pied. Ils vont chercher la touche le plus loin possible. Très beau coup de pied hein, de Thomas. Ah, pas la peine de se précipiter hein, pour les Néo-Zélandais. Ah bah non, ils ont 10 points d'avance, ils sont en supériorité numérique. Il leur suffit de tenir le ballon. Que ça s'anime hein, dans les tribunes en face. Voilà, joli contre là sur la touche. Allez, les Français pour une contre-attaque. Ah, ou bien jouer le retour, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, être patient dans ce couloir des 10 mètres, pas perdre le ballon, bien le conserver pour pouvoir faire rebondir le jeu. Voilà, ça c'est bien fait, on va aller attaquer l'extérieur. On le rappelle, hein, l'équipe de France qui a un de moins, le compte néo-zélandais. Et, ouais, et là, la sirène qui vient de retentir. Essai ou pas. Pas essai. Ah, et dans tous les cas, hein, qu'on reparte sur un renvoi 22 ou une mêlée. Il n'y a pas essai. À la fin du match. Et voilà, une belle victoire néo-zélandaise sur le score de 24 à 14 contre l'équipe de France Développement. On pourra pas démériter quand même hein, sur cette finale. Ouais, ils se sont rebiffés un petit peu tard par rapport au score déjà accumulé et puis au temps qu'il restait. Mais un match très intense. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. Ouais, 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 on aurait aimé même que le tournoi dure plus longtemps. Oui. Tellement il y a de qualité et de joie sur le terrain et autour de ce tournoi. Et du coup, c'est la sélection néo-zélandaise qui remporte ce tournoi. Cette 22e édition du Howard Hinton. Ils doivent être contents, hein. L'année dernière ils avaient échoué en finale et cette fois-ci c'est bon, ils vont pouvoir soulever le trophée. Le trophée que les Néo-Zélandais n'ont jamais gagné. Puisque l'année dernière c'était l'Afrique du Sud, il y a deux ans c'était l'Allemagne. Non. Bon, première victoire sur ce tournoi du Tour Howard Hinton pour les Néo-Zélandais. Belle équipe, hein, belle équipe de Nouvelle-Zélande. On les pensait prenables, ils avaient montré quelques faiblesses dans le tournoi. Ouais, ils ont eu un petit peu de mal à se mettre en route sur la première journée de vendredi. Par contre, on les a vus très en jambes dès le samedi après-midi pour les huitièmes de finale et les quarts de finale. Et puis aujourd'hui, ils ont répondu présent, hein, notamment sur cette finale où ils ont été... très précis et opportunistes. Dès qu'ils ont pu, ils ont inscrit des points sur les ballons de récupération ou sur les possessions qu'ils ont eues. Et vraiment, vraiment dominant cette équipe néo-zélandaise. Ouais, ils ont pris le score très vite. Et ils n'ont gâché aucune opportunité. Ils ont marqué à chaque fois qu'ils ont pu le faire. Allez, merci. Belle maîtrise. Voilà, une équipe de Nouvelle-Zélande acclamée par le public. Est-ce qu'on va avoir droit à un AK comme... Bah normalement oui. Hein, On a le droit au AK chez les Néo-Zélandais à 7 quand il y a victoire sur le tournoi. Du coup,
Il y a une victoire aujourd'hui, il y aura sûrement un cas. Bon, l'année dernière, ils avaient fini deuxième et on avait eu le privilège d'assister après la remise du trophée à un AK. Donc ça devrait être aussi le cas cette année. À suivre dans quelques instants le protocole de ce awarding. Et dommage hein, pour cette équipe de France Développement qui a l'air un peu déçue, mais malgré tout, ils ont fait un énorme parcours sur ce tournoi. Invaincu à part sur cette finale, on les a vus largement dominer hein, les Blue Seven, et c'est pareil, hein, une grosse équipe des Blue Seven. Ouais. On les a vus les dominer en demi-finale et malheureusement s'incliner sur cette finale. C'est pas grave, hein. Des joueurs non, à en devenir hein, dans cette équipe, à l'image de d'Alexandre Lagarde ou encore de Paul Boudéan, hein, le jeune joueur de La Rochelle qui a fait quelques apparitions cette année en top 14. Ou encore un joueur comme Josia Daoudou hein, qu'on a déjà vu en équipe de France à 7. Voilà, c'est l'apprentissage. Ah, il faut jouer des matchs comme ça hein, pour grandir. En tout cas, on l'a vu avec cette finale, hein, le niveau sur ce tournoi à Worthington est vraiment impressionnant. On a un circuit élite de très très bonne qualité, un circuit Bergeart qui est exactement pareil avec des équipes moins connues et moins habituées au set, mais d'un excellent niveau. Et alors là, on ne va pas parler des filles hein, parce que hier, les équipes de France féminine étaient présentes, les universitaires, l'équipe de France féminine A et avait même deux équipes. Donc ça montre hein, le niveau de ce tournoi au Worthington qui grimpe d'année en année vraiment. Allez, l'hommage du public là pour les Néo-Zélandais, les vainqueurs du tournoi. Qui vont apparemment se mettre en place pour nous faire un AK. Ah, ça, c'est toujours un moment énorme. Et on va vous laisser profiter de ça. Voilà, juste avant le premier point. Juste avant ça, apparemment, hein, l'entraîneur néo-zélandais hein, qui devrait passer un petit message. On va vous laisser l'écouter. Il risque sûrement de rendre hommage hein, au Worthington. Alors, un message de la part de la famille d'Howard. Un message de la part de la famille d'Howard. La famille de Worthington voudrait exprimer leur appréciation à tous les participants, joueurs, teams, volunteers, organisateurs. Advertisers, match official sponsors, spectators and supporters of the Howlington Sevens for 2018. La famille Domi souhaiterait adresser ses plus vives félicitations à toutes les équipes participantes au tournoi cette année. Nous espérons que l'opportunité de participer à ce tournoi vous a permis de vous améliorer et de vous dépasser, de montrer votre talent et d'atteindre vos objectifs. Bowie aimait le challenge et se fixait des objectifs ambitieux. Il aurait déjà analysé et fait le bilan de son jeu, ainsi que celui de son équipe, s'il avait participé à un tournoi comme celui-là. I'm going to go off the script and I just want to say hello to everyone up there live streaming back in Aotearoa, New Zealand. We love you all. To Kelly Howard, to Kelly and to Oi and to Helen, to Maui and the family, our love and greetings to you over in New Zealand. Donc, on dit bonjour à Hélène et Oli, les parents de Wa, Kelly et tout.
toute la famille de Watt qui nous regarde en direct de Nouvelle-Zélande. On vous aime, on pense à vous et on est heureux d'avoir gagné ce tournoi pour vous. Organizing committee, your time to organize every last detail in the house each over this weekend are admirable. Know that the family are very grateful for your commitment. La famille est reconnaissante de l'engagement des nombreuses personnes impliquées dans l'organisation de ce tournoi. Pour le comité d'organisation, nous admirons le temps que vous avez passé pour organiser en détail chaque moment de ce week-end. Sachez que la famille vous en est indéfiniment reconnaissante. Au ministère des Sports, à la Fédération de rugby, nous reconnaissons le soutien et la visibilité que vous apportez au tournoi, au rugby à 7, dans la région, au travers de vos programmes et centres d'entraînement. Team, the designs and acknowledgement of Howie and his heritage is appreciated. The exposure of the tournament on a local, national and global level is evident. It shows commitment to the sport and to the tournament. Aux équipes de la communication, aux annonceurs, nous apprécions le travail fait pour la symbolique et l'image de Oui. Vous perpétuez son héritage. L'exposition du tournoi à l'échelle locale, nationale, est globale et visible et démontre un engagement pour le sport et pour le tournoi. Support of the city, the people of Tour thank for that show their endorsement of the tournament and how proud they are to host the guests to the city of Tour. Thank you for your hospitality. Pour le soutien de la ville, avec les acteurs de cette ville qui démontrent leur soutien au tournoi et la fierté d'accueillir dans la ville de Tours tous ces joueurs. Merci de votre hospitalité. Finally, last but not least, to the volunteers and the pink shirts, your time and your effort, your ideas and your contributions are truly outstanding. You make the tournament tick. The family of Howard is so thankful that his name remains with the tournament and that he is remembered. The family look forward to returning to Tours to celebrate the 25th anniversary with you all. Et enfin, les bénévoles, votre temps, vos efforts, vos idées et votre contribution sont véritablement merveilleux. Vous faites du tournoi ce qu'il est. La famille est plus que jamais reconnaissante que le nom de Oui se perpétue avec le tournoi et qu'il reste dans nos mémoires. La famille est impatiente de revenir à Tours pour célébrer les 25 ans du tournoi avec vous. Message émouvant de la part de l'entraîneur néo-zélandais et aussi de la famille de Ward. Allez, le mot de l'organisateur. La parole au
traversé la tour. Un peu difficile de vous dire quelques mots, mais je vais recommencer par les bénévoles. Philippe, pour reprendre tout à l'heure, vous avez été extraordinaire. Vous avez fait quelque chose de magnifique ce week-end. Avec Philippe, on a passé une année fou. Et pour passer trois super journées, et je peux vous dire qu'on les a passées avec vous, souriant du début à la fin, toujours réactif, au top, comme d'habitude depuis de nombreuses années. C'est un vrai bonheur. Je vais maintenant remercier le partenaire, la ville de Tours, le département, la région, la métropole, qui ont été de vrais soutiens, la ligue du centre, la Fédération française de rugby, bien sûr, qui a libéré les équipes nationales pour être avec nous ce week-end et qui ont été vraiment très disponibles pour les enfants et pour tout le public. C'était vraiment génial. Et je vais remercier aussi la soixantaine de partenaires privés qui nous suivent pour certains depuis de nombreuses années et qui sont pour la plupart ici aujourd'hui. Voilà, cet événement, c'est aussi un événement des souvenirs et que je vais laisser Philippe prendre la main parce qu'il était le premier tournoi. Et je vais lui laisser vous dire quelques mots sur le sujet. Un grand merci à tous, vraiment. Moi, je vais aller très vite. Je veux juste te dire que Pascal Sassi a porté le tournoi à mes bras pendant des années et des années. On a essayé de l'aider au maximum et on a pris le relais cette année. Alors, il a fallu qu'on soit deux pour remplacer lui tout seul. C'était très lourd. C'était très lourd aussi pour nous cette année d'organiser tout ça parce que c'était difficile, mais c'était tellement beau. On voulait effectivement remercier tous les gens qui nous aident, puis les publics, parce que c'était très bien, repasser les balles, club. On a décidé de distribuer un peu sur toute la région, enfin tout le département plutôt, des coups de main toute l'année pour faire voir que nous, le rugby, c'est le très haut niveau jusqu'au rugby village. La seule chose que vous, enfin, qui est le seul message qu'on a essayé de faire passer tout au long de l'année, moi, ça fait 22 ans que je le fais. J'ai commencé le tournoi en même temps que Pascal et tous les autres LCD à l'époque. On a fait un petit tournoi à Joli Tour. Il est passé à Valenmirey et depuis 4 ans, on est au Stade Éric Duchère. Superbe site. Mais je voudrais juste, pour que tout le monde comprenne la difficulté de la tâche, remercier énormément, et quand je dis énormément, l'humain compte beaucoup pour moi, les 250 à 300 bénévoles, parce qu'on ne peut pas toujours savoir, il y en a qui se déclenchent deux jours avant. Tous les gens qui sont en rose, qui sont là, le sportif, le médical, l'accueil, la restauration, franchement, allez-y, applaudissez-nous, vous verrez que c'est extraordinaire. Le travail humain est effectué par ces gens-là, je voulais que vous puissiez apprécier la hauteur. C'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose de merveilleux, c'est une aventure extraordinaire. Il faut savoir qu'à un moment, la même chose ici, c'est juste à côté, sur les trois jours, on passe de l'un à l'autre. Les services techniques de la mairie ont été formidables avec nous, on les remercie du fond du cœur. Et aujourd'hui, on a beaucoup de public. Sur le week-end, apparemment, tout le monde a l'air heureux. Sur le week-end, on a eu beaucoup de monde. Le temps est avec nous, on devait avoir un orage, il est 17h40, l'orage est en retard, tout tombe très bien. On vous remercie, et vraiment merci du fond du cœur d'être tous là ce soir aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, pour les présidents du comité d'organisation du Howard Hilton 2018, plus fort. Dernière. Et je vais rajouter un petit mot. Je vais féliciter les finalistes, l'équipe de France Développement, qui a rendu cher mon sabot. Et je voudrais surtout saluer le grand tournoi. Et la belle semaine de nos amis de Nouvelle-Zélande et leur souhaiter une bonne soirée, un bon retour et à les revoir très bientôt. Merci à vous. Merci au président du comité d'organisation qui retourne à la cérémonie protocolaire. On va récompenser le meilleur joueur du tournoi de Romain. Allez, après un petit mot des organisateurs. On va remettre un petit trophée au meilleur joueur du tournoi. Petit, pas si petit que ça le trophée, hein, mon cher Alex. Et surtout un trophée de prestige, un meilleur joueur d'un tournoi comme celui-là, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Quand on voit le niveau, ouais, effectivement, le meilleur joueur
Voilà. On pouvait s'en douter, hein, le numéro 1 néo-zélandais qui a vraiment été hors norme de vendredi jusqu'à aujourd'hui. Trail Joyce. Trail Joyce qui est vraiment un joueur qu'on pourrait retrouver chez la Nouvelle-Zélande A7 l'année prochaine. On le sait, l'année dernière, il y en a qui ont fait le pas, qui étaient au Wardington ici il y a un an et ils se sont retrouvés à faire des matchs avec l'équipe de Nouvelle-Zélande A cette année. Pourquoi pas la même suite pour lui, vraiment un joueur très impressionnant avec une qualité physique hors norme et une qualité de vitesse, d'appui aussi. Et vraiment un joueur très très fort. Le haka. Après ça, allez, on vous laisse en profiter. Apparemment, l'orga qui veut faire un peu patienter le spectateur. Je pense que d'abord, on va passer aux remises de trophées. L'officiel d'abord. Ouais, je pense. Et les joueurs néo-zélandais, ils étaient pris. Ils avaient enlevé les maillots. Ah ouais, ça... Allez, du coup, l'équipe de France Développement qui va recevoir son trophée pour sa belle deuxième place. Ouais, une finale très disputée quand même, malgré le score. Une forte opposition. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec. S'ils avaient pu éviter quelques maladresses, forcément, ça se serait mieux passé. Mais c'est aussi la force des Néo-Zélandais de faire déjouer les adversaires. Ouais, comme on l'avait dit sur les précédentes rencontres, c'est des équipes qui paniquent pas, ils sont sûrs de leur force, ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, même quand ils sont menés et que ça se passe pas vraiment comme prévu, ils paniquent pas, ils prennent leur temps et ils arrivent à gagner les matchs et à enchaîner les victoires surtout. Mais bon, vraiment, cette équipe de France Développement qui peut être fière de son parcours. Ici au Wardington 2017, Wardington très, très relevé, donc déjà les voir en finale, c'est parfait. Et surtout, on espère aussi les revoir l'année prochaine. Ah oui, bon, je pense qu'ils seront là. Il n'y a pas de raison, tous les ans on a une équipe de France qui est présente. Donc, allez, voilà, l'équipe de France récompensée. Ça va être le tour maintenant des vainqueurs de cette édition 2018. Et là, sur la remise de trophée, regardez bien les visages, parce que, comme on vous l'a dit, il y en a que vous pourrez revoir à la télé dans pas longtemps, avec un maillot un petit peu plus noir et doré d'une fougère argentée. Le moment est arrivé, mesdames et messieurs, le Wardington 2018, cérémonie de remise du trophée. Allez, c'est parti, le trophée qui va être remis à cette équipe de Nouvelle-Zélande. Cher public qui fait de la vérité chère, on va vous demander véritablement de réserver une ovation. Ils ont remporté le tournoi, ils ont été, hyper sportifs, ils nous ont démontré tout au long de ce tournoi les valeurs du rugby. Je vous demande d'applaudir très très fort. Allez, la remise de récompense pour la Nouvelle-Zélande qui nous a régalé sur cette finale. Ouais, sur cette finale, sur la demi aussi. Voilà, avec. Et bien sûr sur les deux jours précédents. Avec ce jeu si efficace, si terrible pour les adversaires, tellement ça paraît facile de l'extérieur.
énormément de types de joueurs. On a des joueurs puissants, des joueurs très véloces, très rapides. On a des joueurs qui ont une vision de jeu très forte et une compréhension du rugby à 7 aussi très élevée. Ça leur permet de répondre à tout type de situation et de pouvoir s'imposer sur ce tournoi. Voilà, on voit Pascal Sassi là qui remet des trophées aux joueurs avec le reste du comité d'organisation. Et les photographes évidemment qui se bousculent, hein. C'est des stars les Néo-Zélandais. Hein. Ah, ici ils sont très attendus hein, tous les ans et on le sait, hein, ils passent une semaine entière dans Tours, ils font quelques visites et tout ça. C'est une semaine assez magnifique pour eux et pour nous aussi. Et on le voit là, le trophée est terminé, mais il y a les cadeaux aussi, ils n'ont pas pu en profiter pendant les deux derniers jours. Je pense que ce soir, ça va faire la fête, et ils vont pouvoir se lâcher. Le trophée au-dessus de la tête du capitaine, s'il vous plaît. Allez, magnifique là, une belle image. Allez, belle équipe là, voilà, le champagne qui fuse, magnifique. Voilà, comment vider une bouteille de champagne en moins de 2 secondes. Vous faites venir un Néo-Zélandais, il s'en charge, il n'y a pas de problème. Le sommaire de la ville de Tours avant la surprise. Quelle belle manifestation. Allez, maintenant que... Merci à vous tous. Je suis avec le président du département, vice-président de la région Avec-Boulay, en leur nom et avec vous tous. Je voulais remercier le spectacle que nous ont offert les joueurs. Bravo à eux. Bravo à l'équipe des France Développement, c'était génial. Je voulais remercier tous les bénévoles, ils ont déjà été applaudis. Ils peuvent s'applaudir une nouvelle fois parce qu'ils ont été merveilleux. Et je signale à tous que Jean-Gérard Pommier n'est pas bénévole, un manuel t-shirt. Et je voudrais une mention spéciale ce soir pour Philippe le Poitevin qui était là et pour Frédéric le Cantalou. Et je vais vous faire une confidence, tout à l'heure au bout d'un mois il pleurait. Regardez-le, il n'y arrive pas. Il pleurait. Je voudrais qu'on les remercie tous les deux. Ouais, magnifique hein, ça pour les organisateurs, on le sait, ça doit être très très loin à organiser, ça doit faire un an hein, depuis la fin de l'année dernière qui sont dessus et voir l'aboutissement de ces trois magnifiques journées, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. En fait, on le sait, hein, c'est dès demain, là ce soir on range, on nettoie et dès demain ils vont s'atteler à l'organisation de la 23e édition pour 2019. C'est vraiment un travail de longue haleine. Mais le résultat est là aussi, hein, l'organisation est impeccable. Ouais. Tout à fait. L'accueil, l'ambiance, le plateau, tout est là pour avoir une belle fête du rugby. Exactement. Bon allez, on va vous laisser profiter là. Il y a les Néo-Zélandais qui se préparent pour le haka. On vous laisse profiter de ça. Allez. Les guerriers néo-zélandais qui nous font leur haka traditionnel. On vous laisse profiter du spectacle. Magnifique, toujours impressionnant. Et quoi de mieux pour finir un tournoi qu'un beau haka néo-zélandais. Voilà. Vraiment, on aura passé trois journées, mais vraiment, vraiment splendide. C'était effectivement... Sur l'organisation, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. C'est parfait, depuis des années, c'est comme ça. On vit toujours un week-end de rêve. On remercie bien entendu les organisateurs, mais aussi tous les bénévoles qui ont œuvré sur ces trois jours. Ça doit représenter énormément de,
de travail. Et, sans eux, bah, le Worthington 7, ça serait pas pareil. Donc, on les remercie. Exactement. Je te remercie également, mon cher Alex. Ouais, c'est un rêve. Pour des éclairages puis, techniques sur ce sport à la fois beau et compliqué qu'est le rugby. Moi aussi, Manu, je te remercie. C'était vraiment trois jours super cool. Et un petit dernier mot, hein, vous les voyez pas, mais on remercie aussi tous les sponsors et tous les gens qui œuvrent autour de ce Worthington. Allez, on vous fait... On vous fait un petit coucou depuis la tribune de presse, ici au stade de la Vallée du Cher à Tours. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, toute l'équipe, Marco, Alex, Kevin, Mickaël et moi-même. On vous dit rendez-vous en 2019 pour la 23e édition du Worthington. Ciao, ciao, bisous à toutes et à tous. À l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine.